Bon, ben, ça y est, la caméra est encore foutue. Nous sommes donc le 14 juin, de l'an de grâce de Men in Black 18. Patricia pue la charge, ça merde complètement. Donc nous étions le 14. Ce mois-ci, ce sont tous les jeudis qui sont multiples de 7. Et bien dans 14 jours, j'aurai mes 49 ans, j'aurai 7 fois 7. Je disais qu'hier, il y avait Nuit Debout. Maintenant, Nuit Debout Nice existe toujours. C'est tous les deux mercredis. C'est petit, on était une dizaine. Entre le mardi et le mercredi, j'ai passé deux super soirées. C'est des gens, ils sont humains. C'est des tronches. Ah, Cantalou. Préférée des Français, elle fait un carton sur votre chaîne. Oui. C'est. Esprit criminel, non? Non, beaucoup plus ancien. Le mentaliste. Mais non, il y a beaucoup plus d'épisodes que ça, beaucoup plus de saisons. Non, c'est les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy. Ah, c'est The série judiciaire à regarder. Oui, alors c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure, Stéphane Bern. D'ailleurs, il est avec nous, Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir, David Bichetan. Tant de péripéties judiciaires depuis quelques semaines, récemment une garde à vue, vous en êtes où? David Pugemas. Oui. Quelle indignité. Ce qu'aime extraordinaire avec un grand S, cet acharnement inouï envers ma personne, et contre mes amis, surtout ça, contre mes amis. Oui. C'est vrai que vous ne pouvez pas les voir, par exemple, vous n'avez pas le droit d'approcher Boris Hortefeux, je crois, c'est ça. Vous rendez compte, ouvrez les yeux. Vous rendez compte de ce qui m'arrive, je ne peux pas voir Boris Hortefeux, on m'interdit de...